Celui-ci, oui. Ah ouais? Tu le trouves bien? Ah oui, il est vraiment très beau. J'adore les détails. Tu as vu ça? Regarde le cœur, il est tape à l'œil, non? Non, moi je le trouve romantique, très délicat et très féminin. Ça va, je le prends, d'accord? Je prends celui-là. C'est 20 dollars, n'est-ce pas? Tout à fait, madame. Bien. 15 et 5 qui font 20, voilà. Merci. Très bien. Allez, tourne-toi. Pourquoi? Tourne-toi, tu veux? Oh, chérie, non, tu te rends compte, tu es folle, voyons enfin. Non, tu aimes ce petit cœur, je t'aime, oh, alors je te l'offre. Oh, c'est toi le petit cœur. Alors, dans ce cas-là, je vais t'offrir quelque chose à mon tour. Génial, je sais exactement ce qu'il me faut, une chemise de nuit en flanelle. Tu plaisantes, j'espère. Oui, c'est pas très sexy, mais c'est pratique. Notre chambre n'est pas chauffée, on se gèle. Allez, viens. Bonjour, j'ai rendez-vous avec Thierry Carnet. Le bureau au fond. Merci. Ne me dis pas qu'il s'agit d'une erreur de pilotage sous prétexte que le train d'atterrissage s'est désintégré. Georges, si tu veux que j'enquête sur tes rapports d'entretien et de sécurité, fais ce que nous avons convenu. Je te rappelle que c'était un garçon de 20 ans en pleine possession de ses moyens et qui avait la vie devant lui. Alors je te suggère de régler ça à l'amiable. Quoi? Tu veux 400 000 dollars? Alors va te faire voir. Ne vous inquiétez pas, ayez confiance en moi. Et je vous en prie, si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez surtout pas à m'appeler. Nous vous sommes reconnaissants, mademoiselle Carnet. Aussitôt que j'ai des nouvelles, je vous téléphone. Merci. Thierry? Ah, vous vous appelez Rose, c'est ça? Oui. Merci de me recevoir suite à mon message. Je n'ai pas tout à fait cerné ce message, je sais seulement que vous êtes assistante sociale. Oui, une de vos clientes qui a divorcé l'an dernier, Janet Kelly. Ici, personne n'en sait rien, disons que c'est un peu du travail au noir. Ah. Et de ce fait, je peux quitter le droit aérien, mais je ne suis pas encore prête. Donc, il s'agit d'un divorce, asseyez-vous. Non, il s'agit d'une affaire de garde d'enfants. La mère veut obtenir une garde exclusive. Et la mère s'appelle? Darlene Holland. Darlene Holland. La raison de la demande? Nous pensons que le père attente à la pudeur de la fillette. Je ne suis pas compétente, je regrette vraiment. Thierry, selon Janet, il paraît que dans plusieurs procès de femmes, vous vous êtes montrée très efficace. Vous avez travaillé à SOS Viol dans des cliniques. Je vous le répète, c'est en dehors de mes compétences. Je ne connais rien aux affaires d'atteinte à la pudeur, rien du tout. Et pour être honnête, je ne veux rien en connaître. Dans ce combat, je suis toute seule. J'ai vu trois avocats et tous les trois vous êtes pareils. Dès que je parle de mauvais traitements sexuels, vous vous défilez. Pourquoi cette attitude? Cette toute jeune enfant n'a pas 3 ans révolus. Nous sommes persuadés que le père abuse sexuellement de sa fille depuis qu'elle a 1 an et demi. Si c'est vrai, cette histoire est horrible, oui. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors pourquoi ne pas entreprendre quelque chose pour arrêter ce cauchemar? Vraiment, je regrette, mais là, il n'y a rien que je puisse faire. Moi, je serai vous, j'essaierai de contacter le barreau. Ils ont beaucoup d'experts. Là-bas, je suis certaine que vous trouverez quelqu'un. Oui. Merci à vous. Bonne chance. Oui, c'est ça. Voilà, dans mes bras, ma chérie. Regarde-la, est-ce qu'elle n'est pas jolie? Je te souhaite un bon anniversaire. Comment va mon confrère de guerre? Bien, bon anniversaire, Jack. Alors, c'est à cette heure-là que vous arrivez? Pardon d'être en retard, on s'est arrêté chez les parents de Marc. La circulation est vraiment bloquée. Non, mais tu plaisantes, un dimanche soir. Oh, et alors, bonsoir, joli cœur. Bon anniversaire, Viviane. Crois-le ou non, maman, mais les gens sortent le week-end. Je parie que lorsque tu vas au tribunal, tu es à l'aise. Ne fais pas attention, elle ne changera jamais, tu la connais. Écoute, le buffet est là et la boisson par là. Qu'est-ce que tu veux te servir, Marc? Un soda, une bière, du vin? Une bière, je veux bien. Oui. Papa, oui, Linda? Tout à l'heure, je l'ai vue dans la cuisine. Oh, attends-moi, je reviens. D'accord. Marc, je veux te présenter un de mes amis. Il fait construire une maison. Je lui ai dit que tu étais architecte. Ah oui? 22, 23, 24, 15... Tu n'as qu'à toutes les allumer, on y verra que du feu. Hé, mon bébé. Je suis heureuse de te voir. Oh, t'es superbe. J'adore tes boucles d'oreilles.
Et toi, tu as l'air affreux. Merci. Qu'est-ce qui se passe? Tu as de nouveau des insomnies? Non, je dors parfaitement bien. Tiens, vas-y, mets-les. Non. Sois pas bête, c'est la fête. Un tout petit peu de rouge, un soupçon de blush. Non, si, Lisa, non. Si, pas, je t'en prie, c'est un très alors, non, viens, ce gâteau, ça traîne. Joyeux anniversaire. Encore tes angoisses? Oui. Allez, calme-toi, c'est fini, chérie, ça y est, c'est terminé. Oh. Hein? Oh. Oh non, c'est si gentil. Comment fais-tu pour me supporter? Tu ne crois pas que tu devrais approfondir ce qui t'arrive? Non, non, c'est rien, c'est du stress. Oui, oui, peut-être, mais ça dure depuis très longtemps maintenant. Mais j'y peux rien. Chaque détail de la vie m'affecte. Aujourd'hui, au bureau, il y a une fille qui est venue, toute sa famille a péri dans un avion qui s'est écrasé. Je sais, mon cœur, je sais, mais écoute, essaie au moins d'en parler à quelqu'un. J'en parle. Je t'en parle à toi, tu vois. Tenez, la voilà. C'est Maître Carnet. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Teresa. Bonjour. Mademoiselle Carnet? Oui. Je suis Darlene Holland. Rose Beckman est venue vous parler de la garde de ma fille. Oui, elle est venue, exact, et je lui ai dit d'aller voir quelqu'un d'autre. Maître Carnet, nous sommes désespérés. Personne ne veut plaider cette affaire, on est tout seul, alors est-ce qu'on peut quand même essayer de vous convaincre? Pardon, qui êtes-vous? Je m'appelle Artie Rayburn, le compagnon de Darlene. Christy est comme ma fille. Darlene refuse encore de l'admettre, mais moi, je vous assure qu'il se passe quelque chose d'abominable. Où est l'enfant, maintenant? À McLaren Hall. À McLaren Hall, mais pour quelle raison? Parce que, après que Darlene eut accusé son ex-mari d'abuser de leur fille, il s'est mis lui aussi à nous accuser de faire la même chose. Une enquête a été déclenchée et le tribunal a éloigné Christy de tous ses parents. Elle est toute seule là-bas. S'il vous plaît, Mademoiselle Carnet, je n'ai pas vu ma fille depuis 2 semaines. Bon, ça va, je vais lire le dossier. Merci infiniment. Oui, merci. C'est plus que de l'espoir pour nous. Je n'ai pas encore dit oui. J'ai seulement promis de le lire. Qu'est-ce que tu fais? Tiens, écoute un peu ça. C'est inouï, ce type-là va régulièrement à l'église. Petite bourgeoisie, bonne instruction, et en plus, il dirige une association. Est-ce que tu sais qu'il est 3 heures du matin? Oui, mais c'est presque terminé. Marc. Cette fillette joue avec ses poupées à des jeux d'ordre sexuel. C'est un des signes classiques que cet enfant a subi des brutalités sexuelles. Tu n'as pas besoin de ça. Et nous non plus, Thierry. T'as raison.
Allons dormir. Reconnaissance de 7% par rapport à l'année dernière et on manque d'effectifs. Dans notre service aussi. Appelez-moi quand vous aurez fini. D'accord. Très jolie. Tu sais, moi, je m'appelle Thierry. Et toi, comment tu t'appelles? J'aimerais beaucoup te faire un câlin. Je peux essayer de te prendre dans mes bras, tu veux bien? Votre Honneur, une enfant âgée de 3 ans n'a aucune chance d'apprendre des pratiques sexuelles à partir d'ouvrages quelconques, tout comme elle ne peut apprendre à identifier l'organe sexuel masculin en regardant la télévision. La seule façon pour Christy Holland de devenir familière d'un acte sexuel oral ou anal est d'avoir recours à l'expérience. Pendant la période des 12 derniers mois, Christy a passé chacun de ses week-ends avec son père, Darrell Holland. Un rapport médical révélera que Christy a dans le vagin ainsi que dans l'anus des cicatrices datant de presque un an. Elle a des irritations, elle saigne et elle souffre lorsqu'elle urine. Votre Honneur, Darrell Holland commet un inceste avec sa fille. Il appartient à cette cour de protéger Christy des pulsions de Darrell Holland en lui déniant à partir de ce jour le droit de garde et en l'empêchant fermement d'avoir aucun autre contact sans la présence d'un tiers avec elle. Votre Honneur, il est un fait que dans bon nombre de divorces, une des parties n'hésite pas à utiliser les enfants comme otages et titres de représailles envers l'autre. Combien de fois avons-nous entendu l'histoire classique d'une épouse en proie à la rancune qui pousse les enfants à recourir à des insultes aussi laides qu'injustifiées envers leur père et en exerçant sur eux un véritable lavage de cerveau? Il y a 2 ans, Darlene et Darrell Holland ont enduré l'épreuve d'un divorce difficile, vis-à-vis duquel Darlene nourrit encore une grande colère et du ressentiment. Cette affaire n'est rien d'autre qu'une simple vendetta. C'est une campagne de diffamation contre un père attentionné et affectueux par sa vindicative ex-femme. Donc, vous ignoriez que votre mari abusait sexuellement de votre fille? Oui, ça ne m'avait même jamais effleuré l'esprit. Mais enfin, qui peut imaginer qu'un homme puisse accomplir de telles choses avec un bébé?
Qui vous a ouvert l'esprit? Mon compagnon, Artie. Quelque chose n'était pas normal, selon lui. Il n'était pas le premier à parler de ça. Mon compagnon précédent pensait également que quelque chose n'allait pas chez Christie. Et puis j'ai lu ce livre sur l'inceste. J'ai vraiment été terrorisée. Je n'ai pas d'autres questions. Vous avez mentionné un autre compagnon. Madame Holland, n'est-il pas exact que vous ayez eu une série de compagnons depuis votre divorce? Objection! Je veux seulement mettre à jour l'environnement de cette petite fille. Entendu. J'autorise la question. J'ai vécu avec deux autres hommes avant Artie. Et n'est-il pas exact qu'une fois vous ayez fait l'amour dans un cimetière? Objection! N'est-il pas exact qu'à votre mariage, vous ayez exécuté une danse du ventre entièrement nue? Objection, votre honneur, c'est tout à fait hors de propos. Votre honneur, le comportement de la mère est l'acte... Le comportement de la mère ne fait l'objet d'aucun procès, me semble-t-il. Il sert à comprendre où l'enfant a obtenu toutes ses informations sexuelles. Elle les a obtenues grâce à ce père pervers qui les lui a enseignées. Objection! Je vous en prie, assez. Nous ne sommes pas au cirque. Elle est prostrée. Elle est sujette à des crises d'agressivité, aux cauchemars et à une nette préoccupation de la sexualité. Ces symptômes sont de nature fort inquiétante. Ils sont tout à fait inopportuns chez une enfant de cet âge. Quelqu'un tape à la machine? Quelque chose ne va pas, maître. Non, non, j'ai entendu une machine à écrire. Pouvons-nous continuer? Oui, excusez-moi, votre... Lorsqu'on superpose tous ces symptômes à la conduite sexuelle anatomiquement correcte dont fait preuve Christie sur ses poupées, nous obtenons le profil d'une enfant qui a été systématiquement abusée sexuellement. Je saigne, je saigne, regarde. Il y a vraiment quelque chose qui cloche chez toi. Dis-moi ce que tu as. Je t'en prie, Thierry, dis-moi quelque chose. Excuse-moi, je suis désolée. C'est tout. Bon. Tu restes debout toutes les nuits depuis des mois. Et chaque fois que j'émets le désir de te parler de tes problèmes, c'est à ce moment-là que tu veux dormir. Je vais bien, je sais où j'en suis, je contrôle tout. Thierry, je me fais vraiment du souci pour toi. Je suis morte de fatigue, chérie. S'il te plaît, est-ce qu'on peut en reparler après le procès? S'il te plaît. C'est d'accord. Ça va, toi? Ouais. Merci, Monsieur Land. Voilà qui a beaucoup éclairci la question. Et peut-on savoir en quoi consiste votre métier, Monsieur Land? Je travaillais dans l'électronique. Cela signifie-t-il que vous êtes fréquemment sans emploi? Oui, madame, on peut le dire comme ça, mais pour autant que je sache, ce n'est pas un crime. Vous partagez la garde légale et physique de Christie, est-ce exact? Oui, madame, c'est juste. Et vous voyez souvent votre fille? Chaque week-end. Je vous prie de dire à la cour la façon dont vous passez le temps avec elle au cours de ces week-ends. C'est facile, je... Nous allons au parc, au restaurant, et aussi à l'église, et chaque dimanche matin. Où dort-elle exactement quand elle est avec vous? Elle a un lit bien à elle, dans une pièce bien à elle. Lui arrive-t-il de dormir dans votre lit, Monsieur Holland? De temps en temps. Mais si par là il y a de l'orage ou si elle a des cauchemars, elle aime parfois se glisser dans le lit de son père. Maître Carnet, nous vous attendons. Et lorsqu'elle se glisse contre son père dans son lit, vous arrive-t-il de la toucher? Naturellement. Je l'enlace, je la câline et je l'embrasse car je l'aime. Lui avez-vous touché les organes génitaux? Objection! Objection rejetée. Répondez à la question, Monsieur Holland.
Qu'entendez-vous par toucher? Toucher! Toucher, par exemple, avec le doigt. Toucher avec n'importe quoi d'autre. Toucher! Votre honneur, elle harcèle le témoin. Excusez-moi! Quelqu'un dans l'assistance a-t-il un dictionnaire pour que cet homme comprenne le sens du mot toucher? Maître, je souhaiterais que vous vous maîtrisiez. Je ne peux tolérer cette conduite dans la salle de ce tribunal. Est-ce que vous avez jamais touché? T-O-U-C-H-E, les organes génitaux de votre fille. D'une certaine façon, mais ça n'est pas ce que vous croyez. Ou non, monsieur? Oui. Et combien de fois, monsieur, lui avez-vous touché les organes génitaux? Combien exactement? 20 fois? 200 fois? Ou alors est-ce 2000 fois? Je ne sais pas, moi, peut-être une vingtaine de fois. Votre honneur! Maintenant, voudriez-vous, s'il vous plaît, dire à la cour pour quelle raison précise vous avez fait ça? Reculez-vous, maître! Écartez-vous du témoin! C'est inacceptable! Soyez gentil de répondre à la question, s'il vous plaît! Eh bien, elle avait toutes ses cicatrices, ses rougeurs. Pourquoi est-ce que vous avez touché les organes génitaux de votre fille? Pour la soigner. Pour la soigner? Espèce de salaud! Espèce de salaud! Enlevez-la, bon sang! Enlevez-la! Enlevez-la! Lâche-moi! Laissez-moi tranquille! Non, lâchez-moi! Ça suffit, maître Carmel! Nul ne peut se comporter ainsi dans ma salle! Dors, je vous chasse! Lâchez-moi! Vous avez outragé la cour! Lâchez-moi, vous entendez? Lâchez-moi! Lâchez-moi! Non! Non! La caution se monte à combien? Pas de caution pour vous, on vous garde 2 jours à l'ombre. Et alors? Qu'est-ce qui t'arrive, ma grande? On y va! Oh mon Dieu. Vous avez 5 minutes. Thierry, vous allez bien? Oh, je suis sincèrement désolée, j'ai compromis cette affaire. Je suis impardonnable. Vous n'avez rien compromis, Thierry. Vous avez eu un ajournement. Je vais vous trouver un autre avocat, ne soyez pas inquiète, je vous promets que tout s'arrangera. Nous ne voulons pas d'un autre avocat. Quand on vous a sorti, Darlène s'est levée, elle a dit au juge qu'elle voulait vous attendre. Vous attendre, vous? Quoi? On vous a trouvé toutes les deux immenses. Je ne comprends pas ce qui s'est passé au tribunal. Mais j'ai assisté à la démonstration du non-professionnalisme le plus choquant qu'il m'ait été donné de voir en 22 ans de magistrature. Vous avez le choix entre 3 solutions. La première, vous repartez tout droit en prison. La deuxième, j'entame la procédure visant à vous radier du barreau. Et enfin, je vous mets à l'épreuve et vous acceptez une assistance psychologique. Puisque votre cliente semble vouloir vous garder, et là, Dieu seul sait pourquoi. Si vous pouvez terminer cette affaire avec, bien sûr, un minimum de décorum, j'annulerai le procès-verbal et la condamnation d'outrage à magistrat. J'ai choisi l'aide psychologique.
Pouvez-vous expliquer ce bruit de machine à écrire? Je ne crois pas. Essayez l'intuition. J'ai déjà essayé, je vous assure. J'aimerais savoir d'où ça vient. Parlez-moi de ces assauts d'angoisse pendant l'acte sexuel. Que ressentez-vous exactement? Je me sens prise au piège. Comment cela? C'est comme si j'avais envie de m'enfuir sans pouvoir. Je me sens totalement impuissante. Si vous saviez, c'est terrifiant. Avez-vous une idée quelconque de ce que vous voulez fuir? Non, mais c'est une chose dégoûtante. Minable, écœurante, gluante, boueuse et horrible. Parlez-moi de votre famille. On est tous très unis. Que fait votre père? Il est rédacteur d'une revue d'affaires de la côte ouest. Il travaillait à la maison, alors ma mère a pris des cours et est devenue assistante sociale. Nous avons toujours vécu dans de très jolies maisons. On avait des belles voitures. Nous passions des vacances ensemble. Une vie de rêve, en quelque sorte. Oui, c'est vrai. Mais... bah, c'était pas toujours sans heurts avec ma mère. Ah oui, comment ça? Ah bah, elle était plutôt stricte. Stricte, c'est-à-dire? Elle a toujours eu sa philosophie à propos de l'éducation. Ne jamais récompenser les enfants, leur apprendre le sens des responsabilités, et s'ils se comportent mal, dans ce cas, ils doivent être punis. Donnez-moi un exemple. Nous avions des corvées comme le ménage que nous devions faire, mais si on oubliait, elle nous punissait toutes les deux. Physiquement aussi? Oui, ça pouvait arriver. Que vous faisait-elle? Elle nous frappait, nous boxait. Elle vous boxait? Oui, elle avait des gestes durs. Et très souvent, elle criait. Ma mère avait très mauvais caractère. Si jamais on rangeait la cuisine dans un ordre différent du sien, elle piquait une rage folle et... elle jetait les légumes et conserves sur le sol, elle réveillait ma sœur et moi à plus de 3 heures du matin et nous faisait tout ranger. Où se trouvait votre père à ces instants? Il était présent. Qu'est-ce qu'il faisait? Rien du tout. En général, il l'observait. Levez-vous! Le juge Norton préside l'audience. Votre honneur, j'aimerais maintenant entendre Darrell Holland et l'appeler à la barre. Donc, selon vos dires, toutes les blessures de Christie ont été causées par ses nombreuses chutes de vélo. C'est bien ce que vous avez déclaré. Son pédiatre est aussi de cet avis. Il a dit que c'était du domaine du possible. Quelle est exactement votre explication concernant les irritations et les boursouflures? La responsabilité en revient à sa mère. Elle achète à Christie des culottes beaucoup trop petites et ça la cisaille. Donc, tout ceci serait la faute de sa bicyclette et de ses petites culottes. Alors, je suis curieuse de savoir comment vous allez expliquer les résultats des tests psychiques. Mon ex-femme mène une vie équivoque. Elle remplit le jeune esprit influençable de Christie d'idées tendancieuses. Donc, elle a tout inventé. On m'a fait passer au détecteur de mensonges et je l'ai passé de façon éclatante. Tous les experts sont formels. Je n'ai pas le profil. Il est impossible pour un homme comme moi de commettre... je n'ose dire la suite. Un inceste sur votre fille. Votre honneur, j'aime ma fille infiniment. Et ces accusations honteuses ont détruit ma vie.
Je n'ai pas arrêté d'être humilié devant ma famille, devant mes amis. Je n'arrive pas à trouver de travail parce que personne ne veut m'employer. Je vous jure sous serment et devant Dieu que je n'ai jamais, jamais essayé d'abuser sexuellement de personne de ma vie. N'est plus de questions, votre honneur. Il était assis là, devant moi, comme un agneau. Ce type était mort de peur. Non, mais tu te rends compte? Il avait peur de moi. Tu as été emprisonnée 2 jours et tu ne m'as pas appelée? Oh, j'étais pas franchement à l'aise. Oh non, j'arrive pas à y croire. Tu n'as rien voulu me dire? C'est vrai, j'avais pas envie d'en parler. Enfin, maintenant, ça y est, tu es en thérapie. Qui peut le dire, ce sera peut-être pour le meilleur. Tu veux dire quoi par là? Ma chérie, allons, il y a des tas de choses qui ne vont pas chez toi. Comment ça? Tu le sais parfaitement bien. Non, tu te trompes. Et j'aimerais que tu essaies de m'expliquer. Ta phobie à propos du maquillage et ces vêtements qui sont trop grands pour toi. Je sais, mais comme ça, je suis bien dans ma peau. Tu as très souvent des crises d'angoisse, tu as même des troubles du sommeil, tu entends des trucs bizarres. Plus jamais, je te confierai quoi que ce soit. Voyons, chérie. Chérie. Attends. Attends. Pardon. Je n'avais pas de mauvaise intention en te disant ça. Qu'est-ce que tu essayais de dire? Que je suis folle alliée? Non. Non. Nous avons tous de très nombreux problèmes. Et toi, tu as la chance de pouvoir t'en débarrasser. Chaque enfant a le droit d'avoir un père. Et réciproquement, aucun parent ne devrait être privé de son enfant. Cependant, il est de l'avis de cette cour que Darlene et Christy Holland semblent avoir subi un traumatisme sévère dû à un divorce douloureux, ce qui, temporairement, est une circonstance atténuante. La cour ordonne que la mère et la fille reçoivent une assistance socio-psychologique pendant 6 mois, durant lesquels le droit de visite de Darrell Holland sera suspendu. Après cette période de 6 mois, le droit de visite pourra reprendre normalement. L'enfant verra son père chaque week-end, 2 semaines à Noël et 3 mois pendant l'été. Quoi? Votre honneur, le coupable n'est pas astreint, une assistance psychologique? Il n'y a aucune preuve de la culpabilité de monsieur Holland. Mais vous oubliez les rapports médicaux! Je ne crois pas que cet homme soit capable de commettre un tel crime. Pourquoi? Parce qu'il porte un costume d'excellente façon. N'allez pas trop loin. Mais vous réalisez bien ce que vous faites. Dans 6 mois, il recommencera à abuser de cette gosse. Félicitations. Merci. Je regrette. On a au moins gagné 6 mois, pas vrai? Je vous remercie. Au revoir, Darlene. Quand j'y pense, j'ai envie de vomir. Dans 6 mois, ce sera bien pire. Il sait maintenant qu'il peut faire ce qu'il veut sans le moindre risque. Donnez-moi un autre cas à défendre. Oh, mon Dieu, ce que j'ai eu peur. Tu vas bien? Oui, ça va. Tu viens dormir? Non, j'ai encore un dossier à regarder. Ça ne peut pas attendre demain? J'ai pris du retard et j'ai peur de devoir continuer à l'étudier. Et combien de temps ça va te prendre? J'en sais rien, Marc. Je dois terminer sa lecture. Et cette fillette dans vos cauchemars, c'est vous? Oh, j'en sais rien. Bon, ça peut être qui, d'après vous? Ça peut très bien être Christy, non? Et la personne en face de qui elle a peur? Son père. Vous voyez son visage? Non. Mais vous êtes sûre que c'est un homme? Bah, si c'est pas un homme, qui ça peut être?
vous avez des réminiscences, des cauchemars, une dysfonction de votre sexualité. Les rapports sexuels vous effraient. Thierry, vous n'avez jamais été violée. Non. Quand on est violée, il me semble qu'on doit s'en souvenir. Non. Cependant, vous vous rappelez les abus physiques de votre mère sur vous? Oui. Très bien. Je vais vous demander d'écrire une lettre à votre mère, dans laquelle vous exprimerez tout ce que vous éprouvez, colère, peur, peu importe, tout ce qui vous vient à l'esprit. Rapportez-la et nous la commenterons toutes les deux. Qu'est-ce qui peut en ressortir de bon? Eh bien, il arrive parfois que le fait d'écrire certaines choses noires sur blanc fasse remonter plusieurs souvenirs que, généralement, on réprime. Comment ça, des souvenirs de quel genre? Qui peut le savoir? Bonsoir. T'as passé une bonne journée? Rose Beckman a appelé. Ah oui? Personne d'autre? Pourquoi tu ne m'as pas dit que tu plaidais un autre cas d'inceste? Parce que je sais que tu y es farouchement opposé, je n'ai pas envie de me battre. On ne se voit plus du tout, nous deux. Ça fait combien de temps qu'on n'a pas fait l'amour? Tu as eu une dépression nerveuse en défense contre les cas d'inceste. Non, c'est faux, ce n'était pas une dépression. Eh bien alors, quelle est la priorité? Tu peux me le dire? Est-ce que je compte pour quelque chose? Ne crie pas après moi. Je ne suis pas en train de crier. Ce que j'essaie de te dire, c'est que je ne te comprends plus, chérie. Je ne saisis pas ce que tu fais. Je fais du mieux que je peux. Essaie de me comprendre. Ensuite, Choc fait semblant d'être une poupée. Il fait semblant d'être Bango. Et qu'est-ce qu'il te dit? Tu peux le dire, mon cœur. Vas-y, dis-le au juge. Elle voudrait savoir. Bango t'a trouvé et il t'a eu. Choc dit, Bango t'a trouvé et il t'a eu. Et il fait quoi, Bango, ensuite? Il enlève ma petite culotte. Bango enlève ta petite culotte, ensuite dis-moi ce qui se passe. Tout va bien, ma chérie. Raconte-le au juge. On fait pareil qu'un jeu. À quoi tu joues? Ça veut dire quoi, pareil? Bango fait des kilis avec ses mains. Il fait des kilis? Dis-moi où. À part les kilis, est-ce que Bango te fait autre chose, Julia? Julia. Il met ses mains juste là au milieu et après il me frotte. D'accord, c'est tout. J'ai fini les questions. Tu vas aller avec Rose juste à côté et tu m'attends. Votre Honneur, je crois qu'à partir de ce témoignage, il apparaît sûr que le beau-père prépare cette fillette à avoir des rapports sexuels. Vous ne pouvez pas la renvoyer dans cette famille. Je constate que le vrai père qui fait un procès pour avoir la garde a une vie financière très problématique. Et je dois prendre cet élément en compte, maître. Pourquoi? Cet aspect est-il plus important que le fait que cette gosse subisse des abus sexuels? Je n'accrédite pas cette thèse, maître. J'ai parlé à la mère ainsi qu'au beau-père et ce sont des gens intelligents, instruits et bien pensants. Merci. Marc? Tu es là? Marc, tu es rentré?
toi. Chéri, dans mes bras, trésor. Qu'est-ce qui se passe encore? Marc m'a quitté. Oh non. Enfin, pourquoi? J'ai travaillé sur un dossier. Ça m'a profondément bouleversée. Ça a pris tout mon temps. Je crois que j'étais un peu trop absente. Comment peux-tu espérer garder un homme près de toi si tu refuses de passer du temps auprès de lui? J'essayais d'être aussi présente que je pouvais, je t'assure. Les hommes comme Marc ne se trouvent pas à tous les coins de rue. Et toi, tu n'es pas un premier prix de beauté. Oh, Viviane, pourquoi qu'est-ce tu qu'il dis y a? Tu veux ajouter ton petit grain de sel? Ton attitude est grotesque. C'est n'importe quoi. Remarque, ça ne me surprend pas. Je sais qui tu es. Marc est un saint de t'avoir supporté aussi longtemps. C'est gentil d'essayer de me comprendre, maman. Ne t'avise jamais de parler comme ça à ta mère. Heureusement, nous t'avons offert une bonne instruction. Parce qu'au train où va ton existence, tu termineras ta vie comme une pauvre fille. Chère maman, tu m'as trahie. Tu n'as jamais été la mère vers qui je pouvais me tourner et courir bras ouverts pour être embrassée, écalinée et protégée des affres du monde. Tu n'as jamais été mon sauveur, mais plutôt mon persécuteur. Tu es celle qui m'a torturée, qui m'a battue, qui m'a critiquée, qui m'a humiliée au-delà de toutes les limites de l'endurance. J'avais une peur bleue de toi, tout comme Linda. Devant les autres, tu te faisais passer pour une femme douce et généreuse, mais en réalité, tu étais un monstre. Tu m'as contrainte à endurer ta brutalité, tout en restant gentille, douce et attentionnée. Mais au fond de moi, je me désagrégeais progressivement. Pas étonnant que Marc m'ait quitté. Je suis dans un chaos affectif. Pour moi, l'intimité, c'est la mort. Je te déteste, maman. Je ne pourrai jamais te pardonner de m'avoir traitée aussi durement comme je ne te pardonnerai jamais l'inceste de papa. Quoi? Chérie? Quoi? Relisez cette dernière phrase. Je te déteste, maman. Je ne pourrai jamais te pardonner de m'avoir traité aussi durement, tout comme je ne te pardonnerai jamais l'inceste de papa. Non, papa, non, non. De la façon dont je vois les choses, tu as deux possibilités. Et tu peux rester assise jusqu'à en devenir folle en te demandant si tu as imaginé toute cette histoire, ou alors tu fais absolument tout pour découvrir ce qui s'est vraiment passé. Et si je ne veux rien savoir du tout? Tu vois toujours ton thérapeute. Et elle voudrait m'hypnotiser au plus tôt. Alors fais-le, et le plus tôt sera le mieux. C'est une décision délicate, c'est pas facile. Chérie, comment peux-tu demander à tous ces enfants de te dire la vérité si toi-même tu refuses de voir où est ta vérité? Maintenant, laissez chacun de vos muscles se ramollir. Détendez-les bien, bien relâchés. Entièrement relâchés. Oui, c'est bien. Respirez profondément et soufflez doucement. Laissez glisser l'air. Très bien. Encore une fois, respirez et soufflez doucement. Si des images arrivent, dites-moi ce que vous voyez. Je vois notre vieille maison à Culver City et la voiture verte de mon père devant le garage. Maintenant, je vois l'intérieur. Je vois le sol avec les carrés blancs et noirs.
Je suis dans ma chambre. Je vois les fenêtres bleues et roses. Je vois le lit de ma sœur. Ça sent le bébé. Je vois l'autre côté du couloir. Quelqu'un tape à la machine. C'est papa. Il a arrêté d'écrire. Il traverse le couloir. Il entre dans ma chambre. Je ne me sens pas bien. Voiture de pompier ou quelque chose comme ça. Et il me touche. Je ne me sens pas bien. J'ai envie de vomir. Il veut que je le touche. Est-ce qu'il vous parle? Il dit: ne le répète à personne, Chéri. Petit secret. Tu es ma fille préférée. C'est ici. Ah, bonjour, ma chérie. On peut savoir ce que tout ça signifie? Ça voulait dire quoi, ce ton mystérieux? Nous en parlerons avec Joan. Je ne sais même pas qui est cette femme. Pour qui est-ce qu'elle se prend? Me convoquer à son bureau? Ce n'est pas elle qui t'a demandé de venir. C'est moi. Monsieur et Madame Carnet, je suis Joan Del Vecchio, je vous en prie. Cherry? Je vous en prie, asseyez-vous. Chéri vous a invité à venir pour ce qu'on appelle une confrontation parentale. Le but de votre venue est pour vous d'écouter ce qu'elle a à dire et bien sûr d'y répondre et d'en discuter. Avez-vous un curriculum vitae vous concernant? Je vous demande pardon. Je suis dans la psychiatrie en tant qu'assistante sociale. J'ignore si Chéri vous l'a spécifié. De plus, je suis curieuse de découvrir vos références. Où avez-vous passé votre doctorat? À Los Angeles. Je vois. Et votre internat, pouvons-nous savoir où vous l'avez passé? Viviane, pour l'amour du ciel, voyons, quelle importance. Allons tout de suite droit au but. Je suis de votre avis, monsieur Carnet. Tout ceci n'est pas important. Vous êtes venu écouter parler votre fille. Et ce qu'elle a à vous dire est crucial pour chacun de vous. Alors? De quoi s'agit-il? C'est vraiment très dur pour moi. Mais il faut que je vous le dise. En suivant une thérapie, je viens de comprendre que j'ai subi un inceste parental. Oh mon Dieu! Quoi? Et c'est toi, papa. C'est toi qui me l'as fait subir. Alors que j'étais seulement un petit bébé jusqu'à mon 5e anniversaire. Tu as eu des rapports sexuels bucco avec moi. Tu as eu des jeux sexuels. Tu es devenue folle! Comment oses-tu me dire ça à moi? Mais il ne s'agit pas de toi, non. L'important ici, c'est moi. Et ce que j'ai dû endurer. Pour moi, tu es une malade. C'est outrageant! Je ne t'ai jamais touché. Comment peux-tu même envisager une telle chose? Parce que je me le rappelle. Tu te rappelles quoi exactement? Tu n'étais qu'un bébé. Je me rappelle la crotté de son odeur. Et je me rappelle ses doigts sur mon corps. Oh, mon Dieu Seigneur! Je me rappelle l'avoir vu nu. Il retirait tous ses vêtements dans ma chambre. Jack? Oh, j'en ai assez, je m'en vais. Monsieur Carnet, je vous en prie, asseyez-vous et écoutez-la. Je ne veux pas entendre un mot de plus, allons-nous-en. C'est peut-être un voisin, après tout. Tes souvenirs se mélangent. Non, c'était bien papa, c'était pas un autre. Ah. Et tu sais, je vais te dire. Je crois que tu étais au courant. Quoi? Mais pourquoi écoutes-tu ce tissu de mensonge? Tu savais ce qu'il faisait, et tu ne l'en as jamais empêché.
Tu es détraqué. Tu attendais sans bouger, en détournant ton regard ensuite. Tu m'as brutalisé physiquement et émotionnellement pour me le faire payer. Comment oses-tu parler à ta mère de cette... J'ai une certaine question à te poser, maman. Pourquoi me haïssais-tu à ce point? Jamais je ne t'ai haï. Mais qu'est-ce que j'ai fait au juste pour être rejetée comme ça? Viviane, allons-nous-en. Tu n'es qu'une fille dégoûtante et retorse. Madame Carnet, je vous en prie. Je vous défends de me parler. Si vous, la responsable qui lui avait mis ces idées démentes et castratrices dans la tête. Nous t'avons tout donné. Et c'est ainsi que tu nous remercies. Je ne te le pardonnerai jamais, tu entends? Jamais. C'était très bien, sincèrement très bien. John, vous savez le plus drôle? Non. Je les croyais prêts à l'admettre. Je crus qu'ils allaient peut-être... qu'ils allaient me prendre dans leurs bras et qu'ils allaient tout faire pour essayer de me récupérer. Pourquoi est-ce que tu as fait ça à notre famille? Écoute, tu es à cran après ce qui s'est passé avec les parents. Quoi? À cran? Je suis restée au téléphone toute la nuit avec papa et maman. Ils étaient hystériques. C'est quoi ces paquets? Je démissionne. Comment ça, tu démissionnes? Je vais ouvrir un bureau de recyclage juridique. Avec l'argent, je montrerai des dossiers d'inceste. Tu n'es qu'une obsédée. Tu en es consciente? Tu as perdu tout sens commun. Comment as-tu osé dire à nos parents des choses aussi horribles? Linda, notre père a toutes deux s'est livré un inceste sur moi. Je t'interdis de dire ça! Oh, je t'en prie, nous avons parlé de ça pendant des années. J'ai honte de mon corps, j'ai peur de toute intimité. Je fais des cauchemars horribles, je suis terrifiée par la sexualité. Mais c'est notre père qui en est la cause? On m'a hypnotisée. Ça n'a rien d'une preuve. Ma vie entière est la seule preuve. Je t'en prie, arrête. Ils t'ont offert tout ce que tu voulais. Tu étais le petit bébé. Tu étais la préférée de papa, en tout cas. Notre père a attenté à ma pudeur, Linda. Pourtant, ce n'est pas ce qu'il dit. Alors, il ment. C'est ce qu'il dit de toi. Mais quel intérêt j'aurais de mentir à propos d'un inceste? Et moi, maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Qui dois-je croire, notre père ou toi? Lui, il dit une chose, toi, tu en dis une autre, et moi, je suis coincée au milieu. Non, il n'y a aucun milieu. Ou tu as confiance en moi, ou tu n'as aucune confiance. Je ne sais pas en qui je dois mettre cette confiance. C'est ton père, mais c'est aussi le mien. Oui, et moi, je suis ta sœur. Je t'en prie, dis-moi que tu me crois. Tu sais, c'est important. J'ai besoin que tu me croies. Tous ces procès ont été perdus, et sur tout le territoire américain. Et autant que je sache, aucun témoignage d'enfant n'a jamais reçu l'aval d'une cour face à un adulte. Ah, voilà, les dommages. Alors, je me suis dit, que se passerait-il si cet enfant était une adolescente? N'aurait-elle pas plus de chances d'être crue sur parole? Mais si elle était adolescente, il n'y aurait pas d'emprisonnement. Non. Je m'orienterai vers un procès au civil. Poursuivre le coupable pour obtenir des dommages, ça ne mènerait pas en prison. Seulement la gamine pourrait espérer un dédommagement pour le choc et la souffrance. Tu crois que tu peux y arriver?
Tiens, Lisa. La loi de prescription des dommages causés aux mineurs est seulement de 1 an à partir de la 18e année. Ça veut dire quoi, au juste? Ça veut dire qu'on a jusqu'à ce que l'enfant ait eu ses 19 ans pour aller au procès. Et une enfant de 18 ans s'exprime 100 fois mieux qu'une enfant toute jeune d'à peine 6 ans. Et est-ce qu'un inceste est un dommage? Un dommage, c'est un préjudice causé à un tiers. Et si l'inceste est autre chose, alors je ne sais pas ce que c'est. Nous avons ici un dossier excellent, Kelly. Pas seulement contre tes frères, mais aussi contre tes parents et contre l'Église. Ah bon, on doit aussi attaquer l'Église? Tu es allée voir et tu as dit à 3 hommes d'Église que tes frères abusaient sexuellement de toi et aucun d'eux n'a pris la décision de tout faire pour empêcher ça. Mais attaquer l'Église, c'est un péché, oui ou non? Oh, chérie. Kelly, tes propres frères te violent impunément depuis 4 très longues années. Ta mère était au courant, ton père était au courant, et 3 hommes d'église étaient au courant. Dans ce cas présent, je ne crois pas que ce soit toi la pécheresse. Je sais à quel point ça va être difficile. Si tu ne veux pas donner de suite, je comprendrai parfaitement. Oh non, alors. J'en ai assez, je ne tiens plus. Que ça s'arrête maintenant. Écoute-moi bien. Des instants difficiles t'attendent. Tes parents se mettront en colère. Ils vont se fâcher contre toi, sans parler de tes frères et de tes sœurs. Ils s'emporteront, ils crieront, ils t'insulteront, ils diront que tu as trahi la confiance de ta famille. Alors, tu vas te sentir vraiment seule. Je suis seule depuis que je suis toute petite. Kelly, tu es très courageuse et je suis vraiment très fière de te connaître. Je vais donc intenter une action, déposer une plainte et signifier l'assignation. Seulement, je tiens absolument à ce que tu partes de chez toi sans plus attendre. Où j'irai? Ne t'inquiète pas, on te trouvera un appartement, je te prêterai de l'argent. Et en outre, voilà ce que je te suggère. Tu dois éviter tout contact avec ta famille dès maintenant. D'accord. On se verra tous les jours, on se promènera et on se parlera toutes les deux. Je suis très optimiste, Kelly. En aucun cas, le tribunal ne réussira à annuler ton témoignage. Bonjour, toi. Bonjour. Je suis contente. Tu es resplendissante. Je suis sincère. Merci. Alors, est-ce qu'au moins ton travail avance? Est-ce que tu fais des progrès? Ça va, on m'a donné une affaire d'inceste. Il me tarde déjà de la plaider. Mais tu n'as pas téléphoné pour discuter de ma carrière? Non, c'est vrai. Alors pourquoi m'as-tu appelée? Pour discuter de notre père, toutes les deux. Je t'écoute. Tiens, j'aimerais que tu lises ce rapport. Je pense que ça va t'intéresser. Mais qu'est-ce que c'est? Le rapport d'un portrait psychologique. Notre père a été si meurtri par tes accusations qu'il a décidé de passer un test. En aucune façon, il n'aurait pu agir de la sorte. Son profil ne correspond pas. Il n'existe pas de profil exact, Linda. Il a passé le test du détecteur de mensonges. Sais-tu combien exactement de gens ayant abusé d'un enfant ont passé le test du détecteur? Ah oui, là, je te reconnais bien. Qu'est-ce que tu es têtu? Mais si au moins tu essayais d'admettre... Et toi, si tu essayais d'admettre que tu fais peut-être une erreur? Ça va, j'ai compris. Je suis en retard. Je dois y aller. Ouais, c'est toi qui le regardais. Je l'ai bien vu. Regarde, c'est là. Kelly! Kelly, renonce au procès.
Peut-on se parler seul à seul un moment? Elle n'a rien à vous dire. Elle revient vivre là où sont les siens. En aucun cas, tu ne dois te laisser impressionner par eux. Maman et moi, nous avons discuté toute la nuit et elle m'a promis qu'à la maison, tout allait changer. Écoute, Kelly, rien ne te force à te décider maintenant. Je serai toi, je prendrai tout mon temps et j'y repenserai. C'est assez clair, non? Elle vous a dit tout à l'heure. Excusez-moi, monsieur. Mais il se trouve que pour l'instant, je parle à ma cliente. Et si vous n'arrêtez pas ce ton menaçant avec moi, je vous fais immédiatement chasser de ce tribunal par un huissier. Est-ce que tu as bien réalisé que dans un an, on ne pourra plus rien pour toi? La loi fixant les délais de prescription expire le jour de tes 19 ans. Tu dois comprendre que maintenant, tu as encore l'opportunité d'obliger tes trois frères à répondre de leurs actes et de forcer tes parents et les responsables de ton église. Je ne tiens pas à les forcer à faire quoi que ce soit. Je veux uniquement rentrer à la maison. Pour y faire quoi? Je l'ai dit et je vous le répète. Les choses seront complètement différentes. Tu sais, chérie, il t'arrivera souvent de devoir décider de quel côté tu es. De leur côté, ou alors du tien. Si tu as besoin de quoi que ce soit, tu me téléphones, d'accord? T'en fais une tête. Darlene Holland a appelé tout à l'heure. Christy a été emmenée à l'hôpital. Psychose chronique. Et merde! Non, mais c'est pas vrai, Rose. Je dois rêver. Mais dans quel monde on vit? Je me le demande. C'est perdu d'avance. Peu importe ce qu'on fait, c'est perdu d'avance. Tu te rends compte? Le coupable s'en tire avec les honneurs et la victime est condamnée à vivre avec sa blessure. Il n'y a qu'un moyen de faire payer cette sorte de pourriture. Lequel? Nous devons changer la loi. Alors là, tu rêves, j'en ai peur. Changer une loi est un acte délicat. Ça ne peut pas être plus dur que de me faire violer par mon père. Si j'ai réussi à survivre à ça, alors je peux tout réussir. Stéphanie Chatford? Oui, bonjour, je me présente, je suis Thierry Carney, je suis avocat à Los Angeles et je suis spécialisée dans les affaires d'inceste. Ah oui? Oui, j'ai trouvé votre nom dans quelques dossiers d'affaires que j'ai empruntés pour les lire à la bibliothèque du tribunal et j'arrive pas à y croire. Vous avez essayé de changer les lois sur les délais de prescription? Oui, c'est vrai. C'est drôle, j'ai fait pareil. Non. J'étais persuadée d'avoir été la seule. Et moi aussi, jusqu'à aujourd'hui. Eh bien, nous pourrions peut-être nous rencontrer pour comparer nos notes. C'est ce que j'allais vous proposer. Que faites-vous demain? Il nous faut un argument légal et suffisamment puissant pour vaincre la fin de non-recevoir des cas d'inceste d'enfants une fois qu'ils ont atteint et dépassé l'âge de 19 ans. Je crois l'avoir trouvé. Quoi? La conscience différée.
Un type se fait opérer de la vésicule biliaire. Pendant 6 mois, il vit sans savoir qu'ils ont oublié une éponge dans son corps. Les complications s'installent, infection, il n'est plus à même de travailler. Le délai de prescription a expiré depuis longtemps, mais il a le droit de faire un procès pour faute professionnelle. Pourquoi? Parce qu'il y a conscience différée. Et il n'avait aucun moyen de savoir pour l'éponge jusqu'à ce qu'il repasse sur le billard. Exact. Maintenant, voyons le cas d'un inceste. Une jeune enfant refoule, malgré elle, un abus sexuel jusqu'à ce qu'elle ait 13 ans révolue. Mais pendant ce temps-là, son niveau scolaire baisse. Elle collectionne une foule de problèmes psychologiques et physiques. Elle est déboussolée, elle ne sait pas pourquoi. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Conscience différée. Elle non plus n'avait aucun moyen de comprendre de quoi provenaient vraiment tous ces problèmes jusqu'à ce qu'elle se rappelle enfin son inceste. Et c'est la raison pour laquelle, dans tous les incestes, aucun procès ne devrait subir aucune contrainte d'ordre temporel. Parce qu'une loi figeant la durée de la prescription entraîne pour la victime l'impossibilité de défendre ses droits contre son propre agresseur. Exact. Oh, oui. Oh, je pense que... il y a des chances que ça marche. D'abord, on utilise les médias. Ensuite, on interviewe des clients éventuels et on choisit une quinzaine de cas et de dossiers parmi les plus ardus des États-Unis. Bien. Ensuite, on réalise la loi sur la prescription dans le seul but de la pousser jusqu'à ses limites. On aura besoin d'aide pour réussir ça. Si on trouvait, disons... 5 organisations dans cet état co-signant le dossier d'une affaire à présenter au tribunal, on aurait plus de chances d'aboutir. Je crois qu'on devrait aussi penser à faire un projet de loi qu'on soumettra à l'Assemblée. Très mauvaise idée. Pourquoi? C'est une décision judiciaire, elle doit émaner de la Cour. Mais en se reposant uniquement sur une Cour, on abandonne tout à la discrétion des juges. Et alors? Ce sont des hommes. Chérie, d'après toi, qui siège dans les rangs de l'Assemblée? Tu sais, c'est pour ça qu'on doit avoir 2 pistes plutôt qu'une. Ça double nos chances. Non, non, pour moi, c'est beaucoup trop. Bon, maintenant, il faut qu'on y aille. On n'a pas le droit de se disperser. Concentrons-nous sur notre affaire à plaider et voyons ce qui va se passer. Rachel, avant de commencer, ce que tu vas endurer et aussi affronter est très éprouvant, sache-le. Au cours de l'audience, je te poserai une foule de questions. Elles te sembleront parfois bien douloureuses et même embarrassantes. Mais je veux que tu te rappelles bien ceci. J'ai été moi aussi victime d'un inceste. Je sais donc exactement pourquoi tu souffres. Tu n'es plus seule, Rachel. Je suis à tes côtés. Quel âge aviez-vous lorsque, pour la première fois, vous vous êtes souvenu que votre père avait abusé sexuellement de vous? Je venais d'avoir 24 ans, il y a à peine un an. Vers quoi vous êtes-vous tournée pour tenter d'oublier? Vers l'alcool. Et le sexe. C'était systématique. À quel âge avez-vous commencé à vous adonner à ces choses? L'alcool à 13 ans. La drogue et le sexe à 14. Quel âge avez-vous aujourd'hui? 25 ans. Rachel. Quel a été votre état émotionnel pendant toutes ces années? Je n'ai jamais cessé de me haïr. Je ne voulais qu'une chose. Mourir. J'ai essayé de me tuer à 4 reprises. Lors de ces 4 tentatives de suicide, avez-vous jamais essayé de découvrir pourquoi vous vous sentiez si mal? Objection, c'est de la pure spéculation. Retenu. Votre honneur, le cœur de cet argument repose sur le fait que soit Mademoiselle Fowler ne se rappelle plus l'inceste qu'elle a subi, objection, soit... Objection, il n'y a aucune preuve d'inceste dans cette affaire. Objection retenue. Avez-vous discuté de ce que vous ressentiez avec votre thérapeute? Oui. Qu'en disait-elle? Objection, ce ne sont que oui dire. Retenu. Votre honneur, enfin! Ne me regardez pas, maître. C'est à vous qu'incombe la charge de la preuve. On peut dès lors imaginer à quel point il est difficile pour un enfant d'endurer et de gérer cette impression d'horreur. Étant donné que c'est un de vos parents qui a osé abuser de vous, cela a sûrement dû compliquer vos problèmes. C'est ce qu'on appelle le crime parfait. Quand on est bébé, on ne se rappelle pas.
Quand on est enfant, personne ne vous croit. Quand on est adolescent, votre famille exerce une pression sur vous dans l'espoir de vous faire taire. Oh, et lorsque Dieu, vous avez non. l'âge de démarrer une procédure, Jack. La loi dit « Désolé, c'est trop tard ». Jack, ramène-toi ! Je n'avais jamais compris ce qui m'était arrivé jusque-là. Qu'est-ce j'ai qu'il commencé y a de réaliser quand j'ai eu 30 Jack. Ans. Je ne suis Regarde. Pas arrivée isolée. Il y a des millions d'enfants dont on a abusé comme on a abusé de moi. Ils ont occulté leurs souvenirs d'enfance parce qu'ils étaient physiologiquement incapables d'affronter leur réalité. C'est pourquoi mon associé Stéphanie Chatford et moi avons engagé une bataille capitale. Qu'est-ce qu'elle a dit ? Elle a prononcé mon nom ? Mais tu sais combien il y a de personnes qui regardent cette émission ? Ayant survécu à un inceste, d'attaquer les responsables de cet acte odieux. Chéri, si vous le voulez bien, revenons à votre propre expérience de l'inceste. Oh, mon Quel âge avez-vous ? 6 mois quand mon père a commencé d'abuser de moi sexuellement. Et ça a duré jusqu'à ce que j'ai environ 5 ans. Appelle Linda. Tu as compris? Tu as entendu ce que je t'ai dit? Appelle-la! Tu n'avais pas le droit de faire ça. Oh si, alors j'ai tous les droits. C'est ma vie que je défends. Oh, chérie! Il s'agit aussi de nos vies à nous. Consulter un thérapeute est une chose, mais passer à la télévision... Si plus de victimes d'inceste avaient le cran de parler en public, les responsables s'y reprendraient à 2 fois avant de commettre ces actes. Alors là, c'est trop non. Arrête un peu ce discours démagogique. En agissant comme ça, tu ne penses à personne. Tu fais ça pour te venger de maman et de papa. Réfléchis un peu, Linda. S'il ne s'est rien passé, alors trouve-moi la raison pour laquelle je voudrais me venger. Tu sais, même si j'arrive à sauver, ne serait-ce qu'un seul enfant en parlant simplement de mon histoire, alors il se peut que ça compense la perte de ma famille. Je ne veux plus le porter. L'année dernière, on m'a arrêtée pour conduite en état d'ivresse. Le juge m'a ordonné de suivre impérativement un traitement pour guérir de l'alcoolisme. Quand enfin je suis devenue sobre, j'ai commencé une thérapie. Quels en ont été les effets? Il y a eu une sorte de retour à la surface, d'image du passé et avec elle, bien sûr, pas mal de souvenirs de mon père. Quel type de souvenir? Ceux où il abusait de moi. Ceux où il me violait. Où il me sodomisait. Quand je n'étais encore qu'un bébé. Et jusqu'à mes 6 ans. Tout d'abord, la cour éprouve beaucoup de sympathie pour la plaignante et son supplice douloureux. Mais observant la loi en vigueur, nous avons pris la décision de débouter Mademoiselle Rachel Fowler de sa requête contre Philip Fowler. Nous fondons sur le fait que la loi fixant les délais de prescription n'est pas applicable dans le cas présent. Compte tenu du dépassement du dit délai, nous déclarons ce procès invalide. Nous allons faire immédiatement appel, Votre Honneur. Ce n'est plus de mon ressort, maître. La séance est levée. Nous avons perdu. Calme-toi. Ce procès n'est qu'un tremplin. C'est le verdict émanant de la cour d'appel qui importe. C'est là où l'on crée un précédent légal. Rachel, ça n'a rien à voir avec toi. Toi, tu as fait un travail excellent. Oui. Ah oui, ça sera long, cet appel. Probablement 1 ou 2 ans. Aussi long que ça? Je crois que j'ai besoin de sortir un instant. On se retrouve dehors, d'accord? D'accord. Entendu. Très bien. Tu voulais cibler la justice, on a ciblé la justice. Alors à mon tour, je veux créer une autre loi. Chérie, nous avons... Non, ce n'est pas la seule cas. Steph, tu sais très bien que la cour d'appel est composée essentiellement de juges rétrogrades et que dans les 2 ans à venir, ce sera pire. Nous devons faire voter une loi.
Très bien, tu as gagné. La loi que nous allons proposer aujourd'hui est soutenue par la coalition américaine contre le viol et par le sénateur Sorensen, membre du comité juridique du Sénat. Pour être clair, cette loi dit que toute victime d'un attentat aux mœurs en bas âge ou d'un inceste aura automatiquement le droit d'aller en justice jusqu'à ce que lui ou elle ait atteint ses 26 ans. S'ils ont dépassé l'âge de 26 ans, ce qu'on appelle dans nos instances la conscience différée ne manquera pas d'être appliquée. Ainsi, la loi leur offre 3 ans pour aller en justice à partir du jour où ils découvriront les dommages psychologiques qu'ils auront endurés. Qui le déterminera ? Des rapports sous serment de psychiatres seront présentés à l'appréciation du jury. Qui prouvera les dommages psychologiques ? Et vous ne craignez pas que beaucoup de gens aient essayé d'exploiter cette loi dans l'intention de se venger de leurs parents ? Non, il y a peu de chance à mes yeux. Le processus est fort long et très épineux. Vous ne trouvez pas un peu dur de poursuivre une personne au bout de tant d'années après les faits ? On pourchasse bien les criminels de guerre, il me semble. Le nom du président du siège au comité est George Dobbins. Et je dois vous prévenir, il est farouchement opposé à cette loi. Notre seule chance est de nous gagner les autres membres du comité juridique. Alors, gardez votre calme, soyez concise, et le plus important, ne contrariez surtout personne. Ce qui m'importe, chère madame, ce sont les droits des défendeurs. Car des pères innocents pourraient être faussement accusés et tenus responsables d'actes supposés avoir eu lieu 30 ans auparavant. La loi telle qu'elle existe maintenant, monsieur le président, est loin d'être impartiale et s'oriente dans une mauvaise direction. Le défendeur a tous les droits, mais la victime n'en a aucun. Là n'est pas le point crucial. Non, c'est exact. Le point crucial est que nous faisons tout pour redresser ce déséquilibre en donnant à la victime une chance devant la cour. Et quand les témoins sont morts et que personne ne se rappelle ? Alors laissons le jury en décider, comme dans tout autre crime. Le jury d'un procès peut en avoir pour des années. Et pendant ce temps-là, la vie d'un honnête homme peut être anéantie. Cela semble ne pas vous interpeller. Excusez-moi, monsieur, mais pourquoi êtes-vous plus interpellé par le sort des bourreaux que vous ne l'êtes par celui des victimes ? Ce qui m'intéresse, monsieur le sénateur, c'est la question de rétroactivité. Parce que, je vous l'avoue, je ne suis pas à l'aise devant cette malheureuse idée que certaines affaires déjà classées par le passé pourraient être réouvertes par cette loi. Je suis d'accord avec vous, monsieur le président, cette loi ne doit pas être rétroactive. C'est pas ce qu'on a dit ? Il cherche le consensus. En d'autres termes, cette loi ne couvrira que les affaires s'étant produites après sa mise en application. Pardon un instant, monsieur le président, mais Jerry, je pense que monsieur le sénateur se trompe. Jerry. Il n'est pas question de remettre en cause le fait que cette loi devrait être rétroactive. Eh bien, je ne suis pas aussi formel. Je suis certaine que monsieur le sénateur se souvient que nous avons décidé que le temps n'était pas une question importante, que seul le crime sexuel doit compter. La rétroactivité pourrait créer une énorme accumulation de dossiers. Il semble qu'aucun de vous ne sache vraiment ce que doit couvrir cette loi. Je suis donc obligé de reporter cette discussion jusqu'à ce que vous vous soyez mis d'accord. Projet de loi suivant. Excusez-moi, monsieur le président, je crois... Projet de loi suivant. La loi sénatoriale 119, c'est bien ça ? D'accord, nous avons eu un repli. Ah oui, un repli. Il nous a fallu 5 ans pour entrer dans cette salle. Et vous, vous avez tout détruit en 5 minutes. Je suis désolée, sénateur, mais nous avons plusieurs clients en attente d'un verdict, y compris Rachel Fowler, et je ne vais pas les laisser tomber. Pour votre information, il ne s'agit pas ici d'une loi élaborée par vos clients. Je pense qu'on peut trouver le moyen de réintroduire la loi à la prochaine session. Ce n'est que dans 3 mois, ce n'est pas si loin. Très amusant. Surtout que maintenant, vous vous êtes aliéné le comité. Dobbins peut encore reporter le débat pendant plus de 2 ans. En ce qui me concerne, je n'ai pas 2 ans à passer là-dessus. Et je doute que quelqu'un d'autre restant. Mais enfin, on ne va pas laisser tomber, ce serait idiot. Vous feriez peut-être mieux de repartir à Los Angeles en nous laissant réfléchir à ce que nous allons essayer de faire. Non, je refuse de croire ça. Alors vous vous débarrassez de moi. Vous êtes devenue gênante, chérie. Vous êtes étrangère à toute notion de maîtrise de soi. Et toi, tu es là et tu ne dis rien. Très bien. Puisque c'est ce que vous voulez, alors adieu. Oh, non.
Tu m'as manqué, si tu savais. Toi aussi, tu m'as manqué. T'es resplendissante. Tu es affreuse. Oh. On s'est rencontrés l'an dernier à un pique-nique de la fac. Il est sensible, intelligent. Bref, il est merveilleux. Et on va se marier en juin. Oh, je suis heureuse. Félicitations, c'est génial. Tu veux bien être mademoiselle d'honneur? Merci de la demande, Linda, mais non, je regrette, c'est impossible. Je t'en prie, chérie, s'il te plaît. Je ne me marierai pas sans ma sœur. Oh non, alors. J'ai du mal à croire que tu me demandes ça après tout ce qui s'est passé. C'est tellement important, je t'en supplie, dis oui. Tu ne peux pas essayer d'oublier pendant une seule journée. Je n'ai plus aucun contact depuis des années. Ils veulent que tu viennes. Ils savent que je te le demande et ils veulent que tu viennes au mariage. Tu agis comme s'il ne s'était jamais rien passé. Non, tu te trompes. Je sais qu'il s'est passé quelque chose. Je ne tiens plus à faire semblant, ce n'est plus possible. Mais tu les vois toujours. Je ne suis pas aussi solide que toi. Oui, j'ai besoin de ma famille. J'ai besoin de mon père, de ma mère et de ma sœur dans ma vie. Et je vous veux tous le jour de mon mariage. Un ange d'être venu. Sois heureuse. Entrez. Est-ce que je... Oui. Je meurs d'ennui, je me sens frustrée et tu me manques. Tout le monde a le droit de faire au moins une erreur. Je t'en prie, pardonne-moi. Tu m'as fait du mal, Stéphanie. Je sais, oui, mais je le regrette. J'étais injuste avec toi. Tu ne méritais pas ça. Assieds-toi. Alors, où en es-tu? Eh bien, je peux te dire que réécrire la loi a sûrement demandé plus de temps que de construire la muraille de Chine. Tu sais à quel point ces gens aiment parler. On doit présenter la loi devant le comité courant juin. Mais personne jusque-là n'a encore trouvé le moyen de faire plier Dobbins. C'est pourquoi tu es là. Pour être tout à fait honnête, pour élaborer une méthode originale et intelligente pour manipuler les gens, c'est toi la pro. Tu crois que ça va marcher? Aie confiance. Diana, je vais te demander un service. Tu appelles le New York Times et tu leur balances cet article. Ensuite, tu contactes George Dobbins et plusieurs autres membres du comité de législation. Dis-leur que tu enregistres la communication magnéto et que tu souhaites avoir leur opinion sur la loi numéro 108. On pense que ça marchera si vous leur dites que vous faites seulement des recherches. Surtout, demandez-leur ce qu'ils comptent faire. Dans combien de temps ils vont saisir le comité? On va vous remettre une liste de questions. Ça va aider à la faire passer? Tu plaisantes. Ils ne vont pas se désintéresser des abus sexuels d'enfants s'ils savent que le New York Times est sur le coup. Donne-moi le nom de ces mecs. Allô, oui. Ici Rose Beckman. Je vous appelle de la part du comité qu'on a formé pour voter la loi numéro 108. Et j'appelle tous vos confrères psychiatres du district dans l'intention de leur demander de joindre le sénateur George Dobbins. Allô, oui, je suis bien à SOS Viol de Oakland.
la loi. Oui, je vous appelle aujourd'hui au sujet du débat sur la loi numéro 108. Nous pensons que pour faire voter cette loi, vous en a-t-on par hasard déjà parlé? Exercé à l'encontre des sénateurs. Dans ce cas, puis-je vous envoyer quelques dossiers? Nous avons besoin de toute l'aide possible. Il s'agit de rendre. Faites envoyer tous les télégrammes au sénateur George Dobbins. C'est au 220 State Street. Oui, à Sacramento. Le ou les auteurs de ce. Et encore merci. Bien, au revoir. Absolument. Seule une pression publique réussira. Non, il n'a pas encore pris sa décision. Oh, un instant, je vous prie. Allô, sénateur Dobbins, bonjour. Sénateur Dobbins, un moment, s'il vous plaît. Non, non, ce n'est pas la peine. Loi numéro 108. On a déjà reçu une bonne dizaine d'appels ce matin. Tous des psychiatres ou alors des victimes d'inceste. Ils veulent savoir ce que vous voterez. On en a reçu plus d'une centaine hier. Oui, ce sont ces sacrées bonnes sommes d'avocats. Sénateur Dobbins, un moment, je vous prie. D'abord le New York Times et ça. Sénateur Dobbins, elles un moment, veulent me forcer la main pour réussir à faire passer cette loi au comité. Sénateur Dobbins, pardon de vous avoir fait attendre. Bien, mesdames et messieurs, silence, s'il vous plaît. La séance est ouverte. Nous allons procéder au vote de la loi sénatoriale numéro 108. Sénateur Axel Ford, que votez-vous? Oui. Sénateur Hemmings. Je vote oui. Et vous, sénateur Biondi? Non. Combien il nous en faut? 6. On a besoin de 6 oui. Quant à moi, je m'abstiens. Sénateur Frankel? Absolument oui. Sénateur Hilliard? Oui. Sénateur Massé? Non. Sénateur Labinsky? Oui. Sénateur Thorpe? Non. Sénateur Waterstone? Je dis oui. Oui! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Levez-vous. L'audience est ouverte. Attendu que l'inceste est un crime odieux, attendu que son auteur est soit un parent, soit un tiers familier en qui l'enfant a confiance, la Cour admet sans réserve qu'il est fort probable que la victime ait inconsciemment réprimé ses souvenirs liés à l'inceste. En conséquence, la Cour reconnaît que l'état de conscience différé s'applique aux victimes ayant subi des abus d'ordre sexuel durant l'enfance. Juger cette affaire autrement revient à punir un innocent et à récompenser un criminel, ce qui n'était pas le but de la loi fixant les délais de prescription. En conséquence, nous, juges auprès de la Cour d'appel, nous rendons notre verdict en faveur de la plaignante Rachel Fowler. Séance élevée. Oh, chérie Stéphanie, j'ai gagné, c'est pas loin de gagner. Oui, c'est normal, tu le mérites. Oh non, tu te rends compte? C'est la première chose vraiment très bonne qui vient de se produire dans ma vie. Ce ne sera pas la dernière. Je te le promets, Rachel. Salut, Max. Tu t'ennuyais? Bonjour. Je m'appelle Karen Gilroy et j'ai 17 ans. Je vis dans une famille d'adoption parce que mon père m'a fait subir un inceste. Et mon psy m'a conseillé de vous appeler. Alors je vous laisse mon numéro de téléphone. C'est le 555-6210. Merci. Bonjour, chérie. Je suis Lila Buttrell. J'appelle du Wyoming. J'ai réussi. Grâce à vous, j'ai eu le cran d'attaquer mon père en justice. Et vous savez quoi? Il n'y a pas de loi de prescription pour l'inceste dans le Wyoming. Et ce salaud est maintenant derrière les barreaux. Je voulais seulement vous remercier de votre aide parce que sans vous, j'aurais pas osé le faire.